Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est un nouvel épisode de Robocraft, chers amis, et nous repartons donc toujours avec Death from Above. Après un épisode que j'ai tenté de faire, un épisode de construction en fait, mais qui ne m'a pas plu du tout, hein, soyons honnêtes. Mais alors pas du tout, et si ce robot est toujours aussi lent, ça ne va pas le faire non plus. Ok, c'est l'heure de la fuite. On ne peut plus voler dans ce jeu. Quoi? Pendant combien de temps encore il va me tirer dessus, lui? Ah, j'ai plus du tout de propulsion. Ah non. Sérieux? Hop. Est-ce que quelqu'un peut venir me heal? Alors, si ce robot devient aussi lent qu'il le dit, ça va pas le faire. Hop, c'est pour qu'il, histoire qu'il puisse... se remettre dans le bon chemin. Allez, allez, pousse Simone. Allez, hop. Ok. Ok, je touche. What? Ah, il me saoule celui-là. Hop, on se laisse couler. Oh, c'est pas la peine, hein. Oh, bah voilà. Ah, c'est la partie qui va être géniale, celle-là. Oh, je la sens bien. Oh, je la sens bien, cette game. Et de deux. Ok. C'est la deuxième partie que je fais. Hop. 3. Waouh, c'est génial. Eh ben non. Est-ce que je pourrais... Hop. Ok, reste à ton point de spawn, c'est pas grave. Hop. C'est maillé à l'abeille en plus. Ah, ça me saoule cet armement. Y'a rien qui touche. Ah. Bon. Est-ce qu'on peut faire un surrender, s'il vous plaît? Parce qu'on n'est plus assez nombreux. Ah, putain, non, même pas. Non, mais enfin bon, c'est... Là, c'est la partie de merde, là, c'est... Enfin... Cette map est tellement déséquilibrée. Soyons honnêtes. Ok, j'ai plus aucun armement. Je me pose encore la question pourquoi je joue à ce jeu. Hop. Hop. Juste là, donc autant aller le chercher. Mais non, parce que je me fais déjà défoncer au spawn. Ouais, on est à 5 minutes de game, je suis déjà écœuré. Oh
Ok. Pourquoi j'ai toujours l'impression que ça fait plus de dégâts quand c'est eux qui me tirent dessus? C'est génial. Putain. Et une briquette. Non, c'est pas une briquette. Est-ce que je peux... Non. Nope. C'est génial, je m'éclate. C'est la fête. Et le jeu qui me remet pas vraiment à l'endroit, mais c'est pas grave parce que c'est le jeu et que voilà. Bon, alors ce robot là est devenu inutile à cause de son armement. C'est la fête. C'est la fête. Oui, parce que je rappelle que ça a, si je me trompe pas de mémoire, 107 000 points de vie. Et mon arme à moi n'en a que 38 000, je crois, si je me trompe pas. Hein, mon méga plat. Oh, c'est la fête. Non, je vais même pas dire GG parce que ça vaut pas le coup. C'est... Enfin, en même temps, je comprends que les développeurs veulent pas punir les déconnexions, hein. Parce qu'ils savent pas faire la différence entre un crash de jeu, c'est-à-dire que le jeu n'est pas fiché d'envoyer le report lui-même, hein. Il faudrait qu'il puisse envoyer normalement un report directement au développeur, qui permettrait d'une, de sensibiliser le développeur au fait que ce soit une déconnexion involontaire et pas une déconnexion volontaire. Mais bon. Déjà, sur le principe, le jeu veut pas. Donc forcément, oui. Mais après 2 minutes de cooldown, franchement, bah si, quand tu la regardes les 2 minutes passées, tu te fais chier, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais pour peu que t'aies une 3DS, un téléphone, une tablette, n'importe quoi, un truc qui permet de t'amuser devant ton PC quand t'as de l'attente, genre pendant un téléchargement, y a aucun problème. Hein. 2 minutes, c'est la peau du cul, au contraire. Hein. Moi, si je me lance dans un Picross, bon, vous me direz, je peux en faire deux. Hein. Mais, ouais. Honnêtement, y a pas de raison de se faire du mal. Hein. Tiens, on m'appelle, là, autre chose. Ah, mince. Bon, bah, un instant. Re, chers amis. Pour donner suite à cet appel, recomposez le numéro qui sera surtaxé à 1000 euros, l'appel. Allez vous faire foutre. Bon, je sais plus où j'en étais. Oui, bah, enfin, bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Alors, vous dites que je rage beaucoup sur le... Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh mon dieu, bon c'est pas grave. On y va. C'est la fête. Et on fait la brouette. Allez. Est-ce qu'il y a un quelconque ennemi volant dans le coin? Okay. Allez, vas-y, viens, je t'attends. Hop. On appelle ça un shotgun. Quoi? Mais putain! Mais c'est saoulant! Ah, puis le jeu qui me l'a fait à l'envers. Merci le jeu. Ah bah oui, mais non, mais c'est pas la peine. Hein. Hop, et de deux. Il n'empêche que j'ai fait quelques kills dans mon trou. Oh! Mais c'est pas possible! Et bien sûr! Bien sûr! Merci le jeu!
Ah, le jeu n'est plus d'accord. Génial. Ok. C'est pas grave. Try again. C'est pas comme si t'avais 4 ou 5 propulseurs et que t'en chiais déjà à voler de base. Allez. Hop. Est-ce que quelqu'un peut me heal un coup? Non, ça t'est pas venu à l'esprit du tout en fait de me heal. Bon, c'est pas grave. L'utilisation d'un armement aussi lourd sur un robot est illégale. Veuillez disparaître de ma vue. Ok. Est-ce que je peux reprendre? Est-ce que mon robot peut arrêter de décrocher sans cesse? Ouais, c'est la fête, hein. C'est littéralement la fête. Ok. C'est génial. Quoi? Oh la gueule! C'est ça qui m'a tué, t'es sérieux? Copieur. La technique du mec qui se roule en boule, c'est la mienne, pas la tienne. Ok. Vous allez me lâcher les basques. De toute façon, je plane. Je plane, littéralement. Hop. De toute façon, si personne ne va prendre une tour, on est mort, donc c'est pas la peine. Hein. Hop. Ça y est. Réaction. Yes. Hop. À quoi ça sert de faire un robot aérodynamique, techniquement, qui ressemble à un avion, s'il n'est pas fichu de voler et qu'une brique peut voler? Ça me tue. Honnêtement, ça me tue, chers amis. Une brique vole mieux que mon robot, quoi. Que mon avion. Vous pensez pas qu'il y a un problème quand je dis ça? Enfin, je sais pas, ça vient de ma... Hop, voilà, ça c'est cool. Merci. Donc en fait, ils nous farment plus que faire le voilà, vous voyez, regardez, ils font rien en fait. Ils font pas qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Encore un abruti pour dire non. Oh la gueule. Hop, voilà. Je viens tout juste de repop, hein, je précise. Hop, c'est génial. Oh, je m'éclate.
Littéralement, hein. C'est génial. Je vais aller voir les voir chez eux, on va bien voir. Hein. Avec un peu de bol. Eh ben non, spotted. Your plutonium reactor is under attack. Dégage. Hop là. Oh. Ah non, j'ai pas le droit de le verrouiller. Hein. Ah, c'est parce que j'en ai plus, d'accord. Mais je comprends mieux. Et bien sûr. Et bien sûr. Hop là, bah oui, bah oui. C'est l'éclate. Je m'amuse, c'est génial. Ce jeu c'est de la bombe, je m'éclate. Ah oui, j'avais oublié, les snipers tirent pas droit. Hop, voilà. Hop. Excusez-moi. Non mais laissez-les, hein. Laissez-les faire, hein, voyons. Si je pouvais attaquer mon propre machin, ça serait cool. Et comme personne s'échappe du spawn pour aller prendre une tour, c'est pas la peine. Hop. Voilà. Hop. Your plutonium reactor is under attack. Allez. Ah, oh, génial. Spotted. Spotted. C'est la fête. La physique de ce jeu. Mais enfin bon. Bon bon bon. On sait déjà plus ou moins quoi faire pour redonner vie à ce robot, si je puis dire. Déjà, ça va être un truc très très simple. Hop, déjà là, il se sent mieux. Le robot se sent beaucoup mieux. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas un quelconque moyen? Non, parce que là, ça coupe vraiment le... Donc j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas un quelconque moyen de rajouter des propulseurs dessus? C'est trop haut, ça, on est d'accord. En plus, c'est trop près. Hop. Ce serait plus ici. Déjà. Et ce serait sur. Une double. Hop. Voilà. Ce qui rajoute deux propulseurs. Ce qui n'est pas de refus.
Du coup, ici. Hop, une histoire de quelques instants. Je vais en profiter pour rajouter une légère protection. Hop. Voilà. Essayons de rendre ce robot un peu plus solide. Parce que c'est cruellement ce qui lui manque. Hein. Là, j'ai chié dans la colle, c'est pas possible. Pourquoi ça passe pas comme je voudrais en fait? Ça, je comprends pas le problème, il vient d'où? Alors, retentons notre chance. Ok, ok, il est là le problème. Hop. Parfait. Problème résolu. En tout cas pendant un temps. Hop. Et là c'est bon. Ok. C'est pas trop mal. Il nous reste encore 200 flops à placer. Est-ce que justement on pourrait pas refaire la même chose à l'avant? Est-ce que j'ai encore ce qu'il faut au niveau mouvement? Non, il me reste plus qu'un. Ouais, non, de ce côté-là, c'est fichu. Hop. Crac. Si je peux endurcir ça un petit peu, hop, ce serait parfait. Les mettre dans le bon sens, c'est encore mieux. C'est là qu'on se rend compte que mon robot est terriblement creux. Hop. Ce qui peut être un problème. Hop, on a rajouté une ligne de chaque côté du coup en faisant ça. Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose. Ici, est-ce que je peux pas tout simplement couvrir ça? Avec pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, c'est mes colliers qui font du bruit, excusez-moi. Hop. Hop. Moyen. Encore plus moyen. Tout simplement, je suis stupide aussi. Hop. Des fois, faut pas s'embêter. Hein. Hop.
Hop. Ok, ça se passe plutôt bien. Et ça augmente plutôt l'armure, donc c'est une bonne chose. Juste ici, par contre, ça me fait un truc moche. Soyons honnêtes, hein. Sauf peut-être si je rajoute ça. Ouais. Ça reste très très laid. Ça reste très très laid. Hop. Voilà qui est mieux. Du coup, ici, ça change tout aussi. Ici aussi. Ça devient un cube de ce genre-là. Ici aussi. C'est cool, ça permet de refaire tout le robot. Hop. Ça permet de mettre un cube comme ça ici. Pourquoi pas un deuxième cube comme ça ici. Et plutôt un cube comme ça là. Ça permet de mettre un cube comme ça. Non, un cube comme ça, tout simplement. Ça devient beaucoup plus harmonieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, sauf là, forcément, hein, mais... Mais... Peut-être que je peux rajouter ça, de toute façon. Voilà. Hop. Bon, bah on a un robot qui est légèrement plus... Peut-être un peu plus résistant. Ce qui, en soi, est une bonne chose. Qui en soi est une plutôt bonne chose. Je vais juste essayer par exemple là. Malgré tout. C'est par souci pratique si je puis dire. Ça pèse combien ce truc là d'ailleurs? 23 kilos pièce, la vache. C'est mal. Hop. Non. C'était pas une bonne chose à faire. Ok. Ok. Ou alors, je les laisse tels quels. Bon, je mets des gros cubes à la place. Ouais. Ça se trouve, avec tout le poids que j'ai rajouté dessus, ça revient au même. Donc bon... rien d'autre à rajouter. Rien d'autre à rajouter. Peut-être ça, tout simplement. Ça permettrait de rajouter le dernier qui en reste. Hop. Bon, 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 bon. Eh bien écoutez, on va partir en Battle Arena, chers amis, on va bien voir ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, heureux, chers amis. Bon. On va bien voir. Effectivement, il a l'air plus dynamique que tout à l'heure. Quoi? Et bizarrement, moins bien équilibré. Faut que je compense plus au niveau des touches pour... C'est étrange. Ah. Ok. J'aime me faire défoncer pour le plaisir. Est-ce que tu veux bien me heal? Spotted.
Allez, allez, il est moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, merci, merci. Non, non, merde. Il est moi. Il est moi. Non, bon bah tant pis. Merci mon pote. Ok, il est beaucoup plus compliqué à piloter. Soyons honnêtes. C'est très étrange. Vous me saoulez avec toutes vos armes auto-guidées ou trucs comme ça, hein. Je sais bien que j'en utilise aussi, mais enfin bon. Si on peut plus voler du tout dans le jeu, ça va être catastrophique. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire du Razmot. Du Razmot Bomber. Your top fusion tower is under attack. Ah, les notifications. Alors ça. Ça, va falloir se calmer. Mais bon. J'ai déjà dit. Si c'est pour apparaître dans la vidéo d'une manière ou d'une autre, ça va surtout vous faire disparaître de ma liste d'amis au final. Tant qu'il n'y a pas de spam, je vais pas être violent, mais. Bon. Alors, on dirait Power Rangers, le mastodonte dans le Mighty Morphing. Oh, génial, génial, génial. Ça me donne envie d'en faire un comme ça, tiens. Par contre, c'est incroyable de se dire qu'en fait, c'est que du kill, quoi. Parce qu'au final, regardez, regardez, la tour est encore violette. Eh ben non. Ah, gna gna. Prenez la tour. Ça me saoule. Ça me saoule parce qu'il est bien son robot. Oh! Hey, tu me laisses voler? Putain, je me fais spawn kill par une saloperie avec un. Ah non, en plus ils sont plusieurs à en avoir. Oh. Regardez-moi ça, regardez ça là, ça n'est pas censé voler. Hop, je passe plus de temps à attendre le respawn qu'à. Parce que tout le monde le laisse faire, hein, surtout. Hein. Oh bah en plus il a un heal derrière, bah écoutez. Moi j'ai envie de faire Alt-F4, honnêtement j'ai envie de faire Alt-F4 là. Que des parties de merde là en ce moment, c'est génial. Ah, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression de me faire punir par le jeu plus que pour plus que de m'amuser quoi, c'est génial, c'est franchement génial. Hop, je me demande encore où est-ce que sont les dégâts de mon arme. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est parce qu'il avait un heal, d'accord. Tenter une approche par l'extérieur. T'es sérieux? Putain, mais je viens de repop quoi. Ah, puis il est incontrôlable ce robot. Spotted.
Génial, il m'a vu. Ah bah j'en ai plus, comme ça. Ok. C'est la fête. Je me planque derrière mon bouclier. Je m'éclate. Hop là, voilà, c'est fini. Je peux pas sortir de la zone en fait. Je peux même pas sortir en fait de la zone de spawn. C'est génial. Bon alors sinon je pars en feu, ça sert à rien parce que de toute façon je peux pas récupérer une de leurs tours parce que toutes leurs tours sont visibles du point de vue central où est-ce qu'ils sont là. Là du point de la zone centrale où ils sont là, c'est catastrophique. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Oui. Ah ouais non mais il y a deux trous du cul qui sont pas d'accord. Ouais. Ouais. Je viens de repop. Merci le jeu de me remettre juste là quoi. Je sais que vous aimez pas quand je viens vulgaire alors je me retiens mais ah, j'espère que vous sentez à chaque silence le nombre d'insultes que je peux sortir à Free Jam. Parce que là, franchement, c'est une catastrophe. Hein. Je sais pas, il aurait pas pu me faire pop de l'autre côté? Genre là, vous voyez, là. Je sais même pas si je dois appuyer. Merde, non, c'est celui-là que je voulais faire. Mais non. Hop. Putain, mais j'ai l'impression que son arme à lume fait plus de dégâts que mon méga plasma en fait aux autres quoi. Pff, ça j'arrête. Bah oui, j'ai plus qu'à attendre maintenant. Vu que c'est pour le plaisir de me faire spawn kill. Oui, mais bien sûr. Hop, c'est la fête. Vous pouvez les laisser le buter. Que j'aille faire ma dépression nerveuse quoi. Vivement que ma tour. Oh mais bien sûr. Pah, c'est l'éclate. Ah bah ça y est, vous voyez, je viens de dire que je trouvais ça pute de me faire apparaître devant un mec. Mais non, mettez-moi du côté, il y en a 5 qui arrivent. C'est la fête. Il y en avait 3. Your plutonium reactor is under attack. C'est l'éclate. GG Free Jam, il a raison lui. Hop là, génial. Bon, eh bien écoutez les amis, c'est là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Pérou, de dans la chaîne. Moi je pense que je vais aller monter ces deux épisodes. Et ensuite, peut-être en retourner en milieu d'après-midi, je pense. Quoique non, j'ai des courses à faire. Donc peut-être plutôt en fin d'après-midi. Et on verra ensuite ce que je peux y faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour des aventures, salut les gens.